toi je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la vie me dépose. Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens ta main sur moi. D'autres fois je pleure, je te dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la vie me dépose. Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la vie me dépose. Des fois je me regarde et je vois la trace de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens ta main sur moi. D'autres fois je pleure, je te dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la vie me dépose. Moi je n'ai pas des oreilles, ça n'a pas bien sonné. Sauf que hier j'ai vraiment toute la journée, j'étais très mal à l'aise. Bon, mais le matin quand même, comme on dit. Ok. À bientôt. À bientôt. Je suis en train de bricoler ma cuisine en Bicentre. Hein? Je suis en train de bricoler ma cuisine en Bicentre. Là, où va la lave, mais moi, je ne vais pas là. Oh. Mmh. Ça mmh. Mais là, bien, moi, je suis. Moi, je suis. Hein? Oui, ma tante, je suis. Ok. Malou ma. Quand t'as appelé non? Hein? Quand t'as appelé quand la promesse? Igor. Hein? Il m'a pas dit exactement de... qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'on lui a fait à Salimé. Mais je vais t'envoyer l'union, vu qu'en présent, je ne vois pas cette union-là. Le quoi, le nom? L'union, de Mando Tibikibiki, dans l'union. Ah. Je vais me dire, on l'a pour. Ok. C'est pas seulement, je vais me dire les choses, on n'a pas des familles pour les idées, donc. Ok. Bon, Maloumi. Samuel, toi, on va t'appeler si flic. Oh, ma sœur, on va m'appeler les flic. Ça m'a découragé. J'ai dit comment ça. Mais
Comment on m'appelle plus comme ça? Les enfants de ce village-là, du quartier où on était, vont désormais taper le flic. Tu es membre de la Fédération libérienne des imbéciles casqués. Moi, j'étais un imbécile casqué. Tu étais tué, hein? Oui, je devais être tué. Ouais. Oui, mais là-bas, papa. Je devais être. Peut-être le premier général. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a mon beau-grand-père, mon beau fidèle, qui a beaucoup regretté. Il dit pourquoi? Je dis, ah, c'est comme ça, mon frère. Il a beaucoup, mon fidèle avait beaucoup regretté mon absence. Les trois premiers devoirs, je ne ressentais rien. Mais les deux derniers de l'après-midi, je dis, donc, c'est comme ça que j'ai manqué. Donc, le corps habillé, je ne peux pas. Bon. Bon, on va dire. Il est. La plupart aujourd'hui, il va y avoir une des parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est la pauvreté qui a fait, qui amène cette. Si je devais continuer jusqu'en terminale, mais tel boulot, quand c'est court, je manquais beaucoup de cailloux. La garde pénitentiaire, j'ai manqué. La police, j'ai manqué. Beaucoup de métiers. Alors, papa voulait que je sois seulement enseignant pour être à côté de lui. C'était son objectif. Il ne voulait pas que je me loigne de lui. Il avait dit, t'as toi le bon, va, je voudrais me couler mon yum. Bon, c'est un bon, c'est un bon. Je me coco, moi, ça m'a mal à piquer. Effectivement. J'ai déposé mon dossier à Ergabon. Il me dit, tu commences le travail demain. Quand je sors, je vois quelques-uns de mes camarades partir. J'ai dit, vous allez où? On nous allons faire le concours des enseignants. Yeah. Je vais perdre mon temps là-bas. Parce que demain, je commence mon travail à Ergabon. C'était dur. Mais après Ergabon, tu ne savais pas qu'il s'est levé. Non, mais c'est quand je suis là-bas. Bon, mais tu sais, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer qu'un jour... Oui. Donc, je suis là-bas. C'est M. Thierry Pierre qui me voit. Et, oh, il y a les enfants de la Mouille qui sont là. Les bilobes, comme il dit après. Nous étions cinq comme ça. Papa, un grand nombre, d'ici tout ça, près de 300, 400. Donc c'est beaucoup de gens s'intéressent à ça. Mais moi, demain, je commence mon travail. Je ne veux pas faire ça. Je me suis éclipsé. Je suis allé prendre mon jeu là-bas en bas. Or, il m'avait déjà remarqué. Quand il regarde, mais le gars que j'ai vu là, il est où? Il demande à Michel. Il dit, il est où? Oh, il est allé là-bas. Michel me suit. Il me cherche, je me suis dans la boutique, il me cherche. Je suis en train de prendre mon jus. C'était un coca. C'est mais on te cherche, la police te cherche. Je dis, on est parti. Surtout tous les garçons de la Mouni là. Ngouni, Nyanga, ils sont là. On est avec M. Pierre et Mme Pierre. Ils étaient autour d'une grosse mamite de riz avec la sardine fumée, tout ça. J'ai dit, ouais, la police qui me cherche. Oh, c'est M. Tiendi qui te cherche. J'ai dit, oui, M. Pierre, c'est comment? Oh, pourquoi les autres? J'ai dit, je n'ai pas fait le dossier. Vous me dites de faire le concours. Je fais, oh, non, il y a une liste additive. J'ai dit, pas question. Il dit, pardon, fais le concours. Je fais le concours.
Mais j'avais dit que demain, je vais commencer, commencer mon travail à elle d'abord. Mais après le concours, quand je descends, c'est Michel qui me dit, on est admis à faire l'école au CECI. Il dit, ah, bon, c'est ce que papa voulait, je vais quand même partir. Deux années, encore à l'école. Mais quand, après les deux années, à l'affectation, c'est papa Antoine de Bongo qui m'envoie à Kouamoto. Ah, ça l'avait fait fâcher. Moi, je voulais qu'il sorte à Sénat pour être à mes côtés. On avait un Sénat de moi. Ah, il s'était fâché. C'est qu'il peut, la décision est faite. Fait, hein. Tout ce que tu as voulu, ça n'a pas eu. Hein. Donc on t'a fait la première fois Kouamoto. Ce qui est mieux, c'est que tu as terminé maintenant. Oui, Kouamoto l'a sauvé. Mais il savait pas, tu avais commencé Guidouma. Non, c'est pas Guidouma, c'est d'abord l'a sauvé. Kouamoto l'a sauvé, Maintenant c'est là que je suis venu à Fougamou. Donc Guidouma c'est dans Fougamou. Je suis resté 5 ans à Moudouma, 5 ans encore à Yétou, 3 ans à chez les Michoumola, tout ça, 3 km. J'ai fait 36 ans d'activité. Après, là-bas, le premier voyage, j'avais juste fait le voyage avec toi en Benadine, tu étais quoi? C'était maintenant. À Bongolo. Bongolo, Makombo, les Bamba, Bongolo. C'est moi quand. Je m'apprêtais, je sais que bientôt on va m'envoyer la tête. J'envoie le papier Bissig. Mon fils me répond, il dit, papa, on ne t'a pas envoyé l'argent. Ah, tu es déjà dans la fourchette de ce qui va être dit. Il dit, ah! Oui, il m'a visé vraiment pour que... Donc, je suis resté pendant 3 mois. Puis, la décision est venue. Chimane kasa wena mono wena beyata wenyi papu mohe.
suis Massalène Ebémi Samuel. Je suis presque le seul qui reste dans ma famille. Les papas sont partis, les mamans sont partis. Je suis en présence de mon petit-fils, Massala Grégoire, qui veut avoir quelques éléments sur, surtout au niveau des plans, des clans. Je m'en vais tout de suite dire que Dieu, en créant l'homme, il a laissé le temps de lui donner une intelligence. C'est vrai que qu'il a créé, mais les noms, les prénoms, les clans, les tribus et autres, c'est le devoir de l'homme. Donc après la création, sauf les interdits que Dieu avait dit, je crée. Je suis fond de manger l'arbre de la conscience du bien et du mal et autres. Mais le reste, le nom des animaux, c'est l'homme qui a fait ça. Le nom de ceci, tout, c'est à la charge de l'homme. Donc, après la création, l'homme, Dieu a dit, c'est l'homme à la charge de toutes choses. Maintenant, à un moment donné, les gens se mariaient en désordre. Il n'y avait pas de sœurs, il n'y avait pas de frères, il n'y avait pas. Mais quand les vieux ont vu ça, il y avait un désordre. Quand les hommes épousaient leurs sœurs, quand il y avait un désordre, le garçon frappait ou bien tuait sa sœur, personne ne pouvait lui demander les comptes. C'est ainsi que les vieux, les tout premiers ont dit non, surtout chez l'homme Nzébi. Il a dit, quand un frère épouse sa sœur, quand il le tue, c'est sa sœur qui va lui demander des comptes. Donc on a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est mieux que quelqu'un aille choisir une femme dans une autre tribu. C'est là où la répartition des tribus, les tribus, les clans, ça s'est établi. Chez nous, un clan est différent, est presque au même titre qu'une tribu. Il y a deux sortes de clans. Il y a les Bangla, ils sont 10. Ngula Bangla, le Kumbali. Mais c'est le Mandoko, exactement. Mon cadeau me l'a le chien de Mandoko. Donc, Ngula Nzabi, Nzabi Tamba. On a. Na Chéi, na Mahamba, na Bahouli, na Mwanda, na Kabatana, Chéi, Mahamba, Mwobuyi Bangal, Mahamba, Basanga, Chéi, Bahouli, Bichimba. Mani Massal Malbini, Massal Malbini Samuel. Wobotman Malbini, le bar la bassang. Tatan de Massal, le bimbe, le bimbe, Je suis un homme qui a été nommé Kedia Tat, Kedia Bish Maham. Bassam plutôt. Voyez là, il me souvient à Kamoket.
wende mbavendoka balungi banoko mabamba mabatatwa balimuketa kanu nunga libindi nunga Daniel mesaba yambu baba baba yebe bana mesaba basa famoso mesaba yambu laba mesibuchi la mata tei libi ngu misona misono jani uyagana meleme masala doha akaram babote tata to babote tata nande ndonde yaga babote libi hona ho kabal na nao mushibato ho ya ele ngudira ka ho elbimbi neme ka olbimbi ka ho ka olbimbi bi tata Guawe, nous sommes d'abouti le bimbi de la Judith. Nous sommes d'abouti, Guawe, abota, n'a l'eau qui carrément de les bimbi. Comme ça qu'on parle. Ma le bout de la mission de Bona, à Moussang, à Dewa, batte pour ma Cuba François. Bana, ma Cuba François, n'a pas de toi, n'a pas de toi. Kuba fansa ba shei na barule bana bagal kutuhuru kayada bena bani ban ba franso bona bona jibita la kul na barere bungulango to jibita bishi mwanga ni babu e leya bona ba bangwe bishi baruli ni babu to leya na barre Julita na barre ben du bo chule ya na baba ya ba bisabo we bo chingulango karli mos karli bimbi na miso wal ba karli bimbi na tanae wa mukasa misono jan e on a pas déjà est-ce que misona yi se na misona le misona yi se na ka ka fa Abo tu mwana wona kwa bobu me. Ngamba be male ba me sabarango. Mwana mosho wa mukasa. Nakwa. Ape kuwa. Ape ena. Meyo me mbunda mwe na le. Ape ena mwana kwa. Mwana mulu ya me bo mwana mulifu. Mama kuti. Mama lesa mwe. Ba ba deja logi comment on arrive à Bungulu. Ah, c'est une longue histoire, papa. Bon, je dis, nous Donald Ferli. Robin Mayam Bana. À Rango, Bible, Balé Beaumont. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donald Ferli a eu un titre moine. A eu mon lieu moine, Naïmata Rouge. Depuis les États-Unis. Les années 44. Après la guerre mondiale vient. Mais ça va, y'a va. Ça va dit, ça va dit, va. Comme ça, comme ça. Donc, va. De Yahouni. Bon, mais demain, y'a me l'envoie, baby. Ah, ça va voyager, tu quoi. Il s'est installé ici. Mais avant qu'il ne s'installe ici, il y a eu beaucoup. Je veux te. Si on a le temps, mais bon, c'est pas de l'eau. Le livre écrit par Thompson, au-delà de. Au carré. Au-delà des plumes. Oui. Donc, on voit autour de moi, on vous dit l'histoire de la fête. Donc, quand il arrive, le temps des propages, dans le Banzem. Il y en a beaucoup, il y a des battes partout, dans le Banzem, dans ma sang, dans la mitzvah, dans mon amour, dans le Banzem. Bongle, c'est le nom de la chute, c'est pas le nom de. Donc, comme la chute tombe vers le quartier ici,
Mais le quartier s'appelle Bongolo. Bongolo, ce n'est pas le nom du quartier, mais c'est le nom de la chute. Chute Bongolo. Donc, à Yambre, maman disait ça. Il a formé les chrétiens, ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Certains sont devenus des catéchistes, les autres des pasteurs, tout. Il y a une école ici, l'école des enfants chrétiens. On a créé l'école de Bongolo. À un certain moment donné, c'est un collège. Après le collège, on est dans les collèges. Le collège de Bongolo aussi. Je suis le résultat de l'école primaire de Bongolo, du collège de Bongolo. Tout ça. Le but pour lequel Bongolo existe, c'est pour passer la nouvelle de Dieu, la parole de Dieu. Bongolo n'a pas été créé pour n'importe quoi. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans le quartier Bongolo étaient des chrétiens. Mais avec en 1964-65, On a voulu agrandir pour avoir des écoles. On peut mettre une école à un village de trois maisons, ou bien un dispensaire. Donc on a fait qu'il y ait le regroupement. Donc on a, dans un village, on regroupait pour que les autres villages viennent avoir au moins 10, 15 ou 20 maisons pour construire un dispensaire et créer des écoles. C'est pourquoi Bongolo aujourd'hui n'est pas seulement composé des chrétiens, mais quand les gens sont venus de tous les côtés, Bongolo n'est plus ce qu'était Bongolo hier. C'est un peu cela. Ferdé, après qu'il ait fait ce qu'il a voulu, après la formation des pasteurs, la formation des catéchistes, il est reparti aux États-Unis dans les années 69-70, et c'est comme ça que les gens qui sont restés. Le dispensaire qu'il avait laissé, on a commencé par, avant d'être l'hôpital aujourd'hui, c'était d'abord quand il a appelé les gens de tous les côtés, quand sa femme descendait pour voir les premiers chrétiens, il avait des maux de tête, des fièvres, de tout ça, il a dit, elle a dit à son mari, mais on a bien fait d'avoir des personnes, mais ils sont malades, on fait comment? C'est comme ça qu'ils vont former. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils vont former ce qu'on appelle la boîte pharmaceutique. Donc Bongolo a commencé avec la boîte pharmaceutique. Mais les produits venaient des États-Unis ou comment, je ne sais pas. Donc elle se promenait avec ça. Quand il y avait un mal de tête, elle donnait le comprimé. Et là, on n'achetait pas encore. Elle donnait le comprimé gratuit, elle soignait les plaies. Combien de temps se sont écoulés? Après, on a créé un dispensaire. Et ce dispensaire a grandi jusqu'au moment où c'est devenu, en 1980, Thompson a reçu la convocation, l'idée de venir ici. Et c'est à partir de 1980 qu'on va avoir un peu un hôpital. L'hôpital, c'était d'abord une clinique, mais ils ont dit avec la clinique, ça, on n'aura pas assez parce que la clinique coûte cher. Donc ils ont préféré qu'on appelle ça maintenant un hôpital. Et c'est Thompson qui est le premier docteur à venir s'exercer, et ainsi de suite jusqu'à présent. Et avec Thompson, beaucoup de docteurs sont venus de tous les côtés, surtout les Hollandais, les Américains, beaucoup. Donc, voilà un peu l'histoire de Bongolo. Donc, c'est un français qui recrute. Oui, oui. Nous avons recruté les gens, les organisations. Ils ont d'abord recruté l'évangélisation pour former les chrétiens, les catéchistes. Ces catéchistes étaient formés là-haut par les pasteurs. Et au fur et à mesure que les catéchistes se multipliaient, on les envoyait dans les villages. Les Massango dans les villages Massango, les Mitchou dans les villages Mitchou, les Pounou dans les villages Pounou, les Zébi dans les villages Zébi,
Vumbu, ainsi de suite. Donc il y avait les Nzebi, les Vumbu, les Ponu, les Sango, les Choro, c'était un peu ça. Donc jusqu'au moment où ceux qui étaient formés allaient pour former les gens. C'est ainsi que la parole de Dieu s'est agrandie, s'est apesantie dans le sud du Gabon. Il n'y a pas ceux qui ont aussi formé les ouvriers. Si, mais quand ils formaient les catéchistes, ils formaient aussi les maçons. Comme mon père était formé pour être maçon. Mon père, le demi, était maçon. C'est lui qui a construit. Ils ont construit la grande église de Bongolo, ils ont construit les écoles de Bongolo, ils ont construit le collège de Bongolo. Les maçons, les menuisiers, les charpentiers, d'autres. Voilà. Alors, et l'origine déjà pour nous, Masala, du nom des Bongolo. Masala, c'est un nom de mon grand-père, comme je le disais, le nom du père du papa. Mais les origines, c'est Maasal, c'est-à-dire tout est, c'est ce qui est resté, Bébiasal, Maasal, 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 Makadini Basal, Maasal. Le Bibi, c'est le nom de mon père. Quand ma grand-mère avait mis mon quatre enfants, trois enfants, le quatrième c'est le bébé, elle s'est fâchée. Elle a pris son bébé, elle est allée cacher l'enfant sous un arbre qu'on appelle chez nous le bébé. Donc les grands-parents ont dit, on ne donne pas un autre nom, le nom de cet enfant c'est le bébé, parce qu'on est allé le prendre sous l'arbre qu'on appelle le bébé. Mais son nom, c'est le nom de ma mère. Ma mère, je n'ai pas vraiment exactement l'expression de Missonou, mais ma mère, elle était seule du ventre de sa mère. Elle est restée seule. La mère de maman s'appelait Komba. Donc, dans la famille, il y a aussi des Komba. Même s'il pouvait avoir des enfants, il fallait qu'on relève aussi le nom de ma grand-mère, Komba. Irène ou bien toi? C'est maintenant, Judith, si elle met au monde des enfants ou bien toi-même qui est là, tu peux dire, oh, je vais reprendre le nom de mon aïeul. Ce n'est plus ton grand-père, mais non, ton aïeul. Grand-mère, Komba. Tu as aussi des Komba. C'était pas. On a un peu parlé du côté de. Vu que Missonnet était seul. Mmh. Voilà, était un peu unique. Des sœurs du ventre, mais dans la famille, Missonnet a des sœurs. Par exemple, quel est le lien entre, par exemple. Unu là, le ventre de sa mère. Mmh. Maintenant, elle avait. Sam Komba avait des sœurs. Ce sont la mère de cette sœur. Du côté de Raïssa. C'est ça, c'est là où on est. C'est de ce côté-là. Ce sont les sœurs de Komba qui ont élevé. Ma mère est une sœur dans le ventre. Donc elle est restée bébé. Elle est restée. Kabenga. Écoute d'abord, attends. Sa mère, la mère de Missono était morte. Elle était morte, elle était seule. Mm-hmm. Maintenant, ce sont les sœurs. Ce sont les sœurs de. Oui, l'autre ventre de la mère de Missono, elle avait les sœurs. Maintenant, les sœurs là, ce sont les Raïssa. Les Bapochi, les Bakanga, les Bemugirin, c'est ça. Ce sont maintenant les enfants. On peut dire les cousines. Voilà. Oui. Moutou, Kanaro, Mabota, Léa Mabota.
Donc, les Raïs Saïd sont les enfants de mes soeurs de la même tribu, les Maramba. Les mamans. Vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas, c'est ce que l'autre disait. S'il y a des mariages, vous ne pouvez pas. Pour ne pas avoir de relations. L'homme ne peut pas rester sans arrière-grand-parents. Nous avons tous un début depuis la création, mais ça se succède, ça se succède, ça se succède jusqu'au moment où on arrive à notre temps. Mais de notre temps, il faut aussi dire quelque chose pour ceux qui vont arriver. La continuité de l'homme sur terre. Monte ça chez qui devant. Tout ça, mon baïsal, mon carton, mon baïsal, mon carquel, 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 non, comme là, tu es au bata, ou le cacouel, 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 ou oui, à mon temps, le village, il m'embête là-bas, Nous avons sorti, mon bandal, ton zéba chien, c'est battre qui m'a mon bandal. Mais mon bandal, mon bandal, mon tir de toi, mon bouton, mon ami, mon bandal, au commun à Bissanam. On peut dire que vous nous croyez. En force, il y a certains moments en force. Il suffit qu'on s'attende, si vous voulez que j'ai la main pour aider. Mais ah bon, tiens, il faut les connaisseurs. Mais s'il y a personne. Mais les connaisseurs, c'est quand je. Non, il faut que Badoukou, tu vas à les maîtres sont maudits. Tu comprends? C'est ce que j'ai dit à ta grand-mère. Je dis, les enfants, si les enfants se marient dans le désordre, les maîtres sont maudits. Et Dieu vous demandera les comptes. Il faut que quand tu crois une fille, ton nom c'est quoi? Ton prénom c'est quoi? Tu es de quelle tribu? Tu es de quel village? Tu sais connaître ces produits, les temples, tu sais pas aujourd'hui.
Il fallait dire à ta mère ou à ton père, c'est comme ça. Mais quand tu me samba, c'est pas beaucoup. Mais comme ce qu'il a déjà fait, c'est fait. Si je suis là, je suis encore. Mais bon, moi, tu vas pas dire. Donc, ça, c'est plus.